Alors on est en mer, on a embarqué à la Buen Bajo. On va à Ritza. Tranquillement sur un bateau qui est comme celui-là. Arrivé à Ritza, on fera une petite balade d'une heure environ, d'après ce que j'ai compris, pour voir la faune locale et les paysages. Alors, bienvenue à Ritza Island. On vient voir les dragons de Komodo. Là, on est dans une zone où il y a des crocodiles. On va voir. On a commencé notre balade sur Ritza. C'est très aride, c'est la saison sèche. On dirait qu'il n'y a pas d'eau, on dirait que c'est le désert. On a déjà croisé quelques dragons Komodo. On a vu de loin des singes, on va en revoir d'autres, je pense. Alors sur Ritza, le guide il nous explique que les macaques qu'il y a, c'est les macaques à longue queue. Ils mangent des crabes, des fruits, etc. Mais ils volent aussi les œufs des varans. Là, on va se diriger sur le nid des varans, là où ils pondent. Et apparemment, il y a des femelles qui ont déjà pondu. Alors le guide nous a expliqué plein de trucs sur les varans. Déjà c'est des carnivores, ils arrivent à tuer tout un tas d'animaux, dont des buffles. Ils les mordent et ils les laissent fuir, et comme leur salive est pleine de bactéries, ça finira par tuer l'animal qu'ils ont mordu quelques jours plus tard, et ils viendront le manger. Ici on est au nid des varans, et donc c'est là qu'ils viennent pondre. Et la durée d'incubation, comme je vous ai dit, c'est de 7 à 8 mois. Donc l'éclosion, elle a lieu au mois d'avril. Là, ils ont déjà pondu, déjà des œufs, et on voit une femelle sous l'arbre qui certainement surveille. Par contre, les varans, quand ils ont faim, à l'éclosion des œufs, il leur arrive de manger les bébés, même si c'est les leurs. Donc c'est assez. C'est vraiment particulier comme bestiole. En pleine nature, il y a des singes et des varans, des oiseaux. Entendez-vous, des singes sont les arbres. On va bien regarder ça. C'est une chaleur. C'est très aride, il fait très très chaud. Je sais pas trop comment ça vit ici avec ce climat. On est monté tout en haut, on a un beau panorama, et là-bas tout en bas dans la Hanse, il y a notre bateau et on y retourne. Trop joli. On voit bien quand il y a les vagues.
Quand on s'en va, on voit bien qu'elle est rose. Je sais pas si on le verra sur les images. Je sais pas s'il capte les nuances. Celle-là, c'est Pink Beach, c'est celle qu'on est allé voir. On la quitte et on va à Komodo. Donc cette nuit, on est à quai. Petit dodo à bord. La Karine, elle est fatiguée. On va dormir sur le pont. Il fait super bon. Moi, j'ai un peu de promiscuité, mais les gens sont sympas et une bonne équipe. Là.